Salut à tous les poppies, c'est PoppyTalk, j'espère que vous avez tous la forme aujourd'hui. On se retrouve pour un nouveau let's play sur Resident Evil 6. Donc on avait fait le 5 il n'y a pas longtemps sur notre chaîne, maintenant je m'attaque au 6. Je ne l'ai jamais fait, j'ai vu un let's play de Fantasio et Bob Lennon il y a très très longtemps de ça, quand ils ont fait en duo le Resident Evil 6. Et du coup je ne me rappelle plus aujourd'hui de l'histoire, je ne me rappelle plus de rien, ça fait je sais pas combien d'années que j'ai vu ces épisodes. Je crois que ça remonte bien 5 ans, 6 ans, allez, à peu près, même plus. Donc c'est parti pour Resident Evil 6. Alors de mémoire, je pense qu'on peut jouer plusieurs personnages, je crois, il me semble, hein. Il me semble plusieurs personnages, tout ça et tout. On verra bien de toute façon. Bon, faudra la porter, hein. Allez, c'est pas encore fini. Les voix françaises. Oh, j'adore les voix françaises. Non, c'est pas ça. Oh là là. Oui, sous-titres. Affiché. N'est pas affiché les sous-titres. Oh, j'adore les voix françaises. Tiens bon, Elena. Elena. Ah merde. Je ferai que te ralentir. Vas-y. Jamais de la je vie. Je ne serai pas ici. Allez. Après tout ce qu'on a traversé, tu vas pas abandonner maintenant. Allez, ouvre-moi cette porte. Ah.
Voilà. Faire attention que l'hélico il nous surveille et tout. Essayons par là. On est presque sauvés. Presque alors, hein. Un soldat qui est mort. Allez, viens, accroupis-toi. On va faire une pause. Ouais, faisons une pause. Il doit bien y avoir une trousse de secours là-dedans. Là, c'est quoi ça? Ça me rend malade de voir tous ces soldats morts. Ah, une herbe de soin. Je prends. Léon, tu m'entends? Amigan. C'est bon de t'entendre. Où se trouve Elena? Elle est mal en point. Elle a besoin de soins. Est-ce qu'il te reste des herbes? Un peu, mais ça va pas m'aider. Écoute, tu vas suivre mes instructions. Chercher des herbes à combiner. Tiens bon, Elena. Voilà. Trop de bons agents sont morts aujourd'hui. Hors de question que tu les rejoignes. Léon. Un zombie? Un zombie? Voilà. Un zombie. Pourtant j'ai tiré une balle à la tête, ça n'a rien fait. Bizarre ça. Pas me détendre une seconde. Utiliser les tablettes au objet de soins. Voilà, allez, on va te soigner. Comment tu te sens? Ça va aller, je crois. Merci. Léon, qu'est-ce que vous faites? Vous devez sortir de là, vite. On se dirige vers la tour quad. Quoi? Non, c'est trop dangereux. Il y a des membres du BSA et des survivants. Je les abandonnerai pas. Merci, Anigan. J'ai transféré un guide pratique sur ton PDA. Ça pourra toujours être utile. D'accord. C'est, le jeu est plus fluide, hein, c'est sûr, hein.
Oula, oula. C'est quoi ça? Allez, on y va. Des zombies partout. Bienvenue à Raccoon City. Hannigan, on peut aller à la tour par là? Oui, il faut continuer dans cette direction. Oh. Ah, sélectionner armes, ok. Ils arrivent de partout. Ils arrivent de nulle part. Oula. Putain. Par ici, montez. Putain. C'est bon. Allez, redresse. C'est bon. Va pas tenir très longtemps. Encore une centaine de mecs. Aïe. Oh putain, tout ce qu'il y a. Tu vas bien? Ouais. Et
En fait, j'ai plein d'armes, quoi. Tant mieux que j'ai plein d'armes. Oula. Un petit peu, ouais. Hein? Je crois qu'il en demande. Oula. Alors campagne, on peut jouer Ada, on peut jouer Leon avec tous les zombies là, on peut jouer Chris Redfield, on peut jouer Jake. On va commencer par Leon, hein. Normal, amateur, ouais je préfère amateur, écran solo. Elena ou Leon? Ah, Leon. Réseau COP. Autoriser les joueurs à venir désactiver. Région. Toute. Ouais, objectif. C'est quoi ça? Ça, c'est en ligne, ça. Allez, active la chasse à l'homme. Non. C'est parfait. Les armes biologiques menacent les travailler avec le reste du monde en partie incident. Beaucoup de personnes veulent me dissuader de protéger l'intention. Ça pourrait créer plus de problèmes que ça n'en résoudra. Est-ce que c'est pour avoir une chance? Notre amitié a toujours compté pour moi. Restez où vous êtes. Monsieur le Président! C'est à cause de moi. Tout est ma faute. De quoi est-ce que vous parlez ? La cathédrale de Tholox. Je vous expliquerai là-bas, agent Kennedy. Vous savez comment je m'appelle ? Oui. Hannigan ? Merci, vous allez bien. Quoi, vous la connaissez? C'est Elena Harper. Elle a rejoint les services secrets l'an dernier. Je suis vraiment heureuse de voir que vous allez bien tous les deux. Bon, trêve de présentation. Faites-moi un rapport détaillé sur la situation. Je
vient de tuer le président. Comment ? Il avait déjà été infecté à notre arrivée. Léon a fait ce qu'il fallait. Il m'a sauvé la vie. C'est terrible. Très bien. Je transmets l'info. Vous, de votre côté, essayez de vous sauver de là. Le virus s'est déjà répandu à 4 km autour du campus. Et il ne ralentit pas. Dépêchez-vous. Il faut qu'on inspecte la cathédrale de Tholox. L'agent Kennedy a une piste qui pourrait mener aux responsables de tout ça. Léon, c'est vrai. Hey, je tiens peut-être quelque chose. Entendu. Je vais chercher le chemin le plus sûr. Je vous recontacte. J'ai une piste. Suis-moi et tu en auras une. Pour moi, c'est tellement mieux les voix françaises. Oh là là. Adam, je suis désolé. Pas vrai. Qu'est-ce que cette église a de si spécial ? Tu as des péchés à confesser ? C'est dur à expliquer. Si je ne te le dis pas à la cathédrale, tu ne le croiras pas. Bon. Tu me raconteras tout une fois qu'on sera à la cathédrale. Ok ? Ici aussi. C'est de pire en pire. Le courant est coupé. C'est Glock. Viens aussi. Si t'en vois un, vise la tête. Ça marche bien. Compris. Y'a personne, ça va, heureusement. Enfin, après, ça va rien dire. Hein. C'est là que la réception devait avoir lieu. Ils seraient tous là en train de dîner ici. Tu penses qu'il y a des survivants ? J'espère bien. J'arrive pas à croire que ça recommence. Comme à Raccoon City. Merci d'avoir Raccoon City. Tu es l'un des survivants. Ouais. Je l'oublierai jamais. On va aller dans ta fameuse cathédrale. Mais si t'as quelque chose à voir là-dedans, tu peux dire adieu à ta liberté. C'était quoi ? Y'a qu'un moyen de savoir. Allons-y. Là, y a rien ici. Qu'est-ce qui se passe ? Dans le fond.
Vous allez bien ? La brume. Quoi ? La brume. Elle est apparue d'un coup. Lise ! Non ! Non, lâchez-moi ! C'est trop dangereux. Ma fille, elle est toute seule. Si on n'agit pas vite... C'est bon, ça va. Mais mettez-la en veilleuse, vous la reverrez jamais. Vous comprenez ? Liz... C'est votre fille ? Ok, trouvons-la. Léon, on n'a pas le temps de... On va le prendre. Liz, où es-tu ? C'est quoi ce bruit ? Des zombies, hein. Oh putain. M'a fait sursauter. Il fuit. Pas ça craint. J'espère qu'il va pas avoir des chiens qui vont sauter. D'accord. Restez par là. Merci. Liz ! Liz ! Ça craint. Liz, réponds ! Liz, c'est ton papa. Qu'est-ce qu'il y a ? Vous allez bien ? Il est infecté. Ça ira mieux quand j'aurai trouvé ma fille. Je l'ai appelée, mais ça a coupé. Je sais qu'elle est là, quelque part. Il a dû se faire mordre. Il faut absolument relancer l'ascenseur. C'est fermé, mais je travaille ici. J'ai les clés. Une fois là-bas, on prend ma voiture. Merci. On trouve Liz et on fout le camp d'ici. Liz ! Liz, c'est toi ? Je te suis, hein. Ouh,
ça je sais pas, j'aime pas ça. Oh. Qui c'est qui joue du piano? Oh putain! Oh ma cagée! Ah ma cagée! Elle est infectée aussi ou pas? Papa? Où sont maman et Liam? Ils sont déjà partis. Ils nous attendent à la maison. Bon. Comment on sort de cet endroit? Par le parking souterrain. L'ascenseur est juste devant. J'espère qu'il fonctionne. Il n'y a pas de courant. On va dégager le chemin. Allez, bien. Heureusement que vous étiez là. Heureusement. On y est presque. Liz. Ils vont se réveiller. Il fallait leur mettre une balle dans la tête à tous les deux. Tu le savais, hein. Oh non. Ah. Elle est déjà morte. Tire. Tiens! Quel dommage, une si jolie fille. Je n'arrive pas à y croire. Tu ferais bien de t'y faire. C'est eux ou nous. Et eux, ils n'hésitent pas. Pourquoi tout ça nous arrive? Je sais pas. Je crois qu'on n'est pas seul ici. Elena, sors ton arme. Oh là là. Merde. Faut pas qu'ils entrent. Ah 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 ah. Aïe.
Ah, mais laisse-moi tranquille. Putain, j'ai fait beaucoup de munitions. C'est notre chance de nous tirer d'ici. Je suis bien d'accord. Et on se barre, hein, vite. Ils entendent pas ? Allons-y. Léon, c'est trop tard. On ne peut plus rien faire. T'as raison. Il faut qu'on parte d'ici. Ouais. Le plus vite possible, ce serait bien. Parce que j'ai pas beaucoup de munitions. Ah, sauvegarde. Échappez-vous du campus. Du coup les amis, on va se laisser ici pour cet épisode. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Hein. N'hésitez pas à partager, à liker comme d'habitude. Et à vous abonner. Et faites ce que vous voulez. Moi je vous fais de très très gros bisous. Et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode sur Resident Evil 6. Bisous les amis.